collectif là. On va mettre cette balle, on va mettre cette balle.
Mais c'est qui ça a motivé nous en plus pour entamer le mouvement ça la matin? Bon, en fait, c'est un camarade nous que matin il levé puis il vers 2h, il levé puis il a le un petit bagage pour mettre dans votre lit. Et puis c'est comme ça toute nouvelle kidnapping arrivé une jeune nous. On a nous prendre la rue pour nous demander pour libérer pour nous. Et que pour le phénomène kidnapping ça li camper parce que nous c'est seul pays à nous gagner, c'est Haïti nous gagner, c'est la donne pour nous vivre, nous pas capable vivre avec caisse sautée chaque jour nous sortiment ici n'a pas entré. Donc c'est comme ça que pendant que nous manifestons là n'a demandé pour libérer, c'est comme ça que la police attaque nous, ils affronté nous et nous gagne camarades nous qui victimes jusqu'à présent nous pas comprendre si c'est un bon balle li prend et j'en a regardé là nous gens jusqu'à présent il a pas affronté nous. Donc nous ne pouvons pas camper, nous avons toujours mobilisé, nous avons demandé justice, nous avons demandé libérer, pour libérer Dr Télémaque, parce que Dr Télémaque c'est un petit malheureux. Dr Télémaque c'est une petite sortie, même gens ensemble avec nous. Donc nous avons toujours demandé pour libérer, nous avons demandé pour libérer, parce que nous ne sommes pas capables. Ok? D'accord, merci. Dis-nous, ça a motivé nous encore maintenant là pour entamer le mouvement. Non, c'est un interne, un étudiant 6e année qui a kidnappé matin, 23h du matin. Peut-être ça nous prend la rue. Et Télémaque. Il a kidnappé le matin. Dans ce sens, nous décidons d'entamer un mouvement là. Oui. Pour qui ça? Donc, il faut qu'il libère. C'est même ça qui a financé ça. Donc, pendant que passé là, nous avons faire avec nous, même dans les couverts, et puis ouvert gaz. Nous, c'est ça qui fait nous obliger de camper là. Nous avons décidé de marcher maintenant là. Marcher. Et puis, nous avons écrit là, nous avons nous un problème, et puis, nous avons gaz. Nous avons obligé de camper sur là. Enfin. Non, ça qui motive nous matin là pour nous faire mouvement ça. Moi j'ai ça qui passe, nous c'est médecin de l'hôpital général, de gain on a un collègue nous qui sorti donc parce que nous même pas gain la journée, pas gain la nuit pour nous l'hôpital général. Vous comprenez? Nous travaillons la nuit, nous travaillons pour la journée. OK? Comme ça tout cas gain relève. Nous ça une cause n'importe les gars qu'on cherche à la chou bagarre pour manger. Vous comprenez? Donc ça qui passe, de gain on a un collègue nous qui sorti, il a acheté pour manger donc nèg yo vini, yo braque sur nèg là, yo prend le kidnapper les à la ville. Donc c'est pas normal, malgré les gars identifiés, ils disent mais ça, les négociants. Donc moi c'est que c'est trop tôt. Donc nous même encore qui engagé nous pour une balle. Émissaire c'est un amoun, c'est un docteur qui est attaché dans service d'urgence. On monte pour une balle, on glisse première catégorie de mon après, c'est groupe qui n'a eu urgence. Donc nous pensons que c'est pas normal. Donc pour nous kidnapper négla, donc qui vient faire, même le travail n'a pas qu'à fonctionner. Parce que souffert monsieur ça, nous puis devant c'est nous mêmes c'est un amoun et nous. Toute journée, toute la nuit, nous devons là, nous traversons, nous montons et descendons. Comprenez? Donc, moi, c'est qu'il faut l'état dire, mon abar là. Donc, nous prenons la rue, nous mobilisons, nous campons et travaillons dans l'hôpital général. Donc, jusqu'à ce que nous jouions libération et médecin. Et comme ça, pour l'état même, profiter, dire mon abar ça, qui continue, côté mon victime, mon abar mourir. Pour de rien, c'est pas normal. Okay? Malgré nous-mêmes, l'hôpital général, à Zoom, nous travaillons. C'est pas moi qui gagne, c'est pas payé ou payé, nous, nous sommes. Comprendre? Mais parfois, mon envie il va gagner. Donc, c'est ça nous gagnons en poche. Nous dépenser pour acheter Bali. Qui ça nous pensait avec le dernier cas de kidnapping, ça, camarade nous en Sibila?
Mon cher, vous dites qui ça nous pensez. Oui, c'est ça, il n'est pas normal, c'est pas qui est anormal. Donc nous demandons seulement c'est libération, monsieur, nous demandons immédiat pour l'hôpital là continuer de travailler. C'est ça nous besoin. Merci. D'accord. Merci. Je me la fais. Je vais te dans la bouche, au lieu de mettre les gilets par balle. Je vais te dans notamment, nous entamons un mouvement là, matin là. Qui s'est motivé nous en plus pour nous faire un mouvement ça là? Bon, en fait, nous dans la rue aujourd'hui, nous-mêmes, c'est tout personnel santé qui forme la faculté de médecine dans l'État avec l'autre entité tout. C'est un docteur qui a été kidnappé hier soir pendant la sorti, il finit de travail, il sorti pour une petite pause là, je te mangé avec le kidnappé. Qui ça nous pense avec des nègres qui kidnappent? Ça fait ce camarade nous? Bon, je pense que nous revenons en face pour nous dire que c'est trop à tort. Parce que les nègres qui sont médecins, pendant que tout le monde connaît la réalité, les gens qui travaillent même pour le travail, par exemple, qui ont une redevance que l'État mettait pour eux, et puis pour essayer même qui vivent dans la situation, côté que ravisseurs et kidnappeurs mettent en bas code. Et ils ont même dit que si ils n'ont pas $300,000, ils ont fusé. Mais ils ont déjà connu qui disait que c'est ouvrant avec lui? Non, nous ne pouvons pas connaître qui côté. Sauf que ils ont un kidnapper. C'est la famille qui fait connaître qu'il y a un ravisseur? Non, c'est l'hôpital là, c'est plusieurs qui sont ensemble. Il même il sorti là acheter manger et puis il prend il aller avec lui. Mais il y a des monde qui dit que personne par exemple dans Kassao qui a fait tendre dans le pays en ces derniers temps qui sont pensés eux-mêmes. Bon, pas une personne qui épargne, tout le monde connaît. Imagine il prend champ, il prend toute qualité monde et mais arrivé, il prend médecin, il prend avocat, il prend agronome, il prend tout le monde net qui donc nous arrivé dans phase pour toute population mettre ensemble pour nous dire c'est trop bâton et puis pour nous dire que bagarre ça va répéter encore parce que nous pas dans nos pays. Pour les jeunes étudier, pour aider la population et puis finalité, on se bagage qui n'a espéré, c'est un visa. Je pense que nous arrivons en phase pour nous dire non, nous ne sommes pas capables encore. Et il faut que le pays a, et nous arrivions au niveau pour tout le monde arrive à l'aise dans le pays. Est-ce que vous-même qui parlez avec là, vous ne pas sentir un petit peu et tout? Bon, tout le monde dans la rue, après même vous-même.
comme journaliste ou peur. Dans pile journaliste qui victime déjà. Dans pile journaliste qui touye déjà. Qui donc, je pense pas qu'il y a personne qui épargne Jean Mdjou là. Nous-mêmes, comme son devoir citoyen, nous gagnons son devoir moral. Le fait que Jean de Bagay ça va passer pour nous revendiquer, pour nous piler béton, pour nous dire non, ça va nous suspendre, mais c'est pas parce que nous pas peur. Mais seulement ça nous connaît, pays a pas pour personne, pays a c'est pour nous-mêmes, petit pays a, haïtien. Et nous avons toujours peur, mais nous avons toujours là pour nous toujours batailler, pour nous toujours goûter, parce que victoire finale là c'est pour pays, c'est pour nous-mêmes. Merci. Ok. C'est là.
Dis-nous, comment comprendre dernier cas kidnapping, ça que fait sous camarade nous là? Bon, nous voyons que kidnapping non, ils sortent dans la rue, on entre dans l'hôpital Yokonia. Et c'est avec un pile amer time, un pile tristesse, que maintenant on n'a pas pris de nouvelles que ont kidnappé camarade nous, Télémac, qui s'est interne dans l'hôpital là. Tout le monde comme ça a été à nous représenter dans l'hôpital public, dans le pays là. J'en ai bourriqué avec une pitance que l'État ba nous. Donc je ne dis à nous-mêmes, médecins, étudiants, non médecine, nous demandons pressé pour libérer les camarades Télémac. Sinon, nous ne pouvons pas quitter la rue. Nous demandons au gouvernement, ministre de la Justice, pour contacter ravisseurs pareil, puisque le Premier ministre a dit qu'il ne parler avec eux. Nous demandons pour contacter les gens qui parler avec eux pour demander libérer les camarades Télémac. Pressé, sinon nous faisons carré dans la rue, nous faisons carré manifester. Et si je n'ai pas libéré les camarades là, le mouvement a passé dans l'autre phase. Première phase, on a bloqué tout l'hôpital public. Commencez par l'hôpital général, qui fait tout l'hôpital public qui est dans le pays. Et si on n'a pas libéré les camarades là, toujours, nous allons commencer à bloquer le bureau de l'État pour que l'État attende devant nous. Et nous avons manifesté pacifiquement pour demander de libérer les camarades là. La police tire sur nous, ils ont nous gaz et ont même arrivé blessés aux camarades. Nous avons dit, si elle prend, elle prend nous tous. Si elle blessé, elle blessé nous tous. Et depuis où nous pas à côté de nous, ça veut dire ou contre nous. Donc nous faisons carré dans la rue là, et nous demandé de libération pressé, camarades Télémac. Docteur Télémac, qui est l'hôpital de travail? C'est un interne dans l'hôpital général. Son interne dans l'hôpital général, ça veut dire son étudiant en sixième année, son étudiant finissant.
300 000 dollars. Et on même dit, si on va libérer le docteur, c'est cadavre. On a même dit, on a vu ça. Et pas seulement le cadavre docteur Delemac, il y a un cadavre nous tous. Parce que nous tous, pas capables de quitter le pays. Il faut que nous sommes dans le pays pour nous servir le pays. Et il n'y a pas de patrouiller nous tous. Donc, c'est sous base ça nous dit que faut qu'on libère les camarades Delemac. Pressé, avant journée en fini, il faut que nouvelles camarades là que lui libère. Mais entre temps, on va dénoncer ça. Le premier ministre, la fois dernière, il fait connaître que jazz l'a bien marché. C'est comme si tout va bien dans la population haïtienne. J'avais posé la question, tout va bien dans la population haïtienne? Eh bien, si le premier ministre dit tout va bien dans la population haïtienne, il va jamais marcher dans la rue, il est là quand il était. Insécurité, il n'est pas seulement. Il n'est pas seulement arrivé sous médecin, mais la privé sous toute couche qui est dans le pays. Et nous disons la population, puis nous rejoignons dans le mouvement, parce que quand on est là, quand on ne peut pas penser à l'abri, pas aucun monde qui est à l'abri. Donc, et pas seulement médecin pour qu'on puisse demander pour tous les professionnels, ingénieurs, agronomes, professeurs, pour rejoindre nous dans le mouvement, pour nous continuer de battre contre l'insécurité, contre le kidnapping, et pour libérer les camarades Telemac rapide, aux pressions, sans condition, sans rançon. Nous ne sommes pas des armes, nous ne sommes pas des roches. C'est ce qu'on nous gagne. Puis on demande la libération, camarades nous, Delemac, sans condition. Puis on passe au lobby, on ne peut pas prendre nos gaz. Chaque les fantômes, 59 points là, oui, ils ont tout à le serrer. Ils ont des nous n'avons pas des amnommés. Pour qui ça? Faut que le directeur général de la police, il faut qu'il passe avec ça au lobby pour qu'il s'en fasse un abus. Nous déjà victimes, déjà toutes victimes. Faut qu'il tenir compte de ça tout. Si je ne peux pas dire que pas de nous qui sommes à l'abri. Donc, nous avons dit que nous avons que nous même la passe pour nous tout bagage. Tout ça qu'on va soulever, les abdés soulever le capable de tout. Je dis que nous avons camarades là, des SDV qui doivent nous. Même les policiers qui peuvent faire là, deux SDV, ils ont petit, ils ont madame, ils ont tout le monde dans la rue, tout le même doit être victime. Mais j'espère que vous réfléchissez, vous partez dans le grand monde toujours. Donc, ça qu'on fait là, nous, tout le monde qui est victime, nous avons passé. Et donc, si toutefois, vous connaissez qui est-ce qui pour vous, qui est-ce qui pour vous, qui est-ce qui est mieux, vous pouvez vous révolutionner. Merci. Alors